Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer ce pourquoi nous nous réunissons aujourd'hui, je vous adresse tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023. Comme on dit, c'est surtout la santé. Alors sachez que moi en 2022, j'ai bien compris que c'était surtout la santé. C'était pas forcément quelque chose que je disais avec toute l'importance que ça a, mais vraiment cette année, je vous souhaite à tous énormément de santé, énormément d'amour, je vous souhaite d'être hyper entouré, enfin en tout cas entouré des bonnes personnes, voilà, que tout aille bien chez vous et que vous ayez de l'amour, de l'amitié, enfin bref, je vous dessous, bref, la totale, je vous souhaite la totale pour 2023. Petite parenthèse refermée. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture de la prescription lab du mois de janvier. Alors, je ne l'ai pas encore ouverte, j'ai juste ouvert le carton. Donc, j'ai découvert que ce mois-ci, il n'y a pas de box, c'est uniquement le petit pochon. Donc, petit pochon avec un imprimé un peu, je pense qu'on appelle ça l'imprimé Liberty, si je ne dis pas de bêtises. Et avec une grande star, on va dire, ou en tout cas une grande célébrité, une femme en tout cas qui a marqué l'histoire mondiale. Avec la reine Elisabeth. D'ailleurs, derrière, je trouve ça trop mignon, le petit chien qui est derrière. L'imprimé est repris également sur le prescripteur. Alors, ce mois-ci, donc mois de janvier, normalement, on va dire les box, hein, c'est principalement la détox. On se remet de toutes ces fêtes bien, bien alcoolisées et bien... où on a bien mangé. J'habite dans le sud-ouest, donc je suis une grande adepte du foie gras. Donc si, comme moi, vous avez un peu abusé, ben, vous devriez le ressentir au niveau du bidou, on va dire ça comme ça. Donc, on y va pour l'ouverture de cette box. Alors, je vais prendre... Donc, c'est la routine So British, hein, sans grande surprise, avec la reine Elisabeth. Alors, le premier produit que j'attrape, alors je vous avoue que je suis super étonnée parce que sur mon prescripteur, il y a écrit que je dois recevoir la crème main Pélab Beauty. Sauf que j'ai reçu, alors je vous avoue, je ne suis pas mécontente, hein, j'ai reçu l'huile démaquillante de chez Pélab Beauty. Donc écoutez, je suis ravie parce que j'adore les démaquillants. Alors, est-ce qu'il y aurait eu un petit couac en termes de réception de produits ou de fabrication de produits? Je ne sais pas. Mais en tout cas, écoutez, je n'ai pas la crème pour les mains. J'ai l'huile démaquillante, ce qui me va plutôt bien parce que j'en ai quand même un sacré paquet. Donc, l'huile démaquillante qui est à l'huile d'abricot et à l'huile d'amande douce dans un format de... où est-ce qu'on a le format? C'est transparent, je ne le vois pas. Mais visiblement, c'est un full size. Oui, c'est un 100 ml. Donc écoutez, je suis très contente de recevoir ce produit. C'est un produit que je vais utiliser. Donc écoutez, premier produit, on est déjà pas trop mal. Deuxième produit que j'attrape, c'est de la marque Nailberry. Donc ça, on avait la possibilité de choisir la couleur de son vernis. Alors, est-ce que j'ai les autres teintes? Oui. Alors, c'est celui-ci que j'ai choisi. Je ne sais pas si avec la lumière, vous y verrez quelque chose. Voilà. Donc, découvrez dans votre box l'une des quatre teintes de ces vernis aux formules clean. Donc, mystère, un mélange subtil de lilas et de gris. A touch of powder, un rose poudré. No regrets, un rouge bordeaux. Opaque et Honesty, un ton caramel crémeux. Donc, moi, j'ai choisi le Honesty parce que je n'avais pas forcément... Et je vous montre quand même les quatre teintes dans laquelle vous aviez le choix. Donc, écoutez, plutôt contente. C'est une teinte que je n'ai pas. Et je trouve que pour l'hiver, hein, c'est plutôt pas mal ce type de couleur. Donc, écoutez, deuxième produit, je suis plutôt ravie. Troisième produit. Ah ben alors, écoutez, j'étais en panne de contour des yeux. Là, ça y est, tout le monde s'y met. Tout le monde en envoie. Donc, c'est l'Eye Plump. De chez, alors je ne sais pas si on dit Bibi ou Baby ou Bibi, donc vous m'avez compris, c'est BYBI, cette crème contour des yeux fabriquée de façon responsable alors il y a écrit UK, excusez-moi, donc au United Kingdom, est conçue pour aider à lisser et raffermir la peau sous l'œil. Son secret, le bakuchiol lissant qui stimule la production de collagène pour une peau plus lisse et plus rebondie. Donc écoutez, moi je suis plutôt contente de l'avoir reçu. Je suppose que c'est un full size vu que c'est un 15 ml.
Donc, j'adore les contours des yeux, pour les yeux, pardon. Donc, du coup, ce sera utilisé avec grand plaisir. Ensuite, qu'est-ce que je trouve? Je trouve une lotion pour le corps de la marque Vegan by Happy Skin. Alors, je ne sais pas si c'est un full size, combien on a dans... Ah, c'est un 100 millilitres. Je vais sentir cette lotion. Alors, écoutez, je n'arrive pas à sentir. Ah, par contre, le flacon est hyper dur. Ça, à mon avis, le... Ça sent bon, mais je trouve que ça sent les fleurs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette lotion pour le corps? Donc, moi, j'adore ça. Ah, mais ça a pu se refermer. Formidable. Donc, on nous dit formule au jus d'aloe vera, beurre de karité et huile de graines de jojoba qui hydrate, nourrit, protège de la déshydratation et pénètre sans laisser de film gras. Alors, film gras. Oh oui, effectivement, ça pénètre assez bien. Moi, je trouve que ça sent les fleurs. Je veux pas être. Moi, je sens pas le karité, je sens pas l'aloe vera. Moi, je sens les fleurs. Ben écoutez, moi ce serait utilisé avec grand plaisir parce que j'adore les crèmes pour le corps. Je me crème tous les jours. Donc écoutez, ce sera utilisé. Vous aurez un retour en produit terminé. On a un dernier petit produit en cadeau. Donc visiblement, donc ils le mettent eux-mêmes. C'est un échantillon de la marque Belif. Donc je n'ai jamais testé de produit de cette marque. Pourtant, j'ai vu plusieurs personnes, enfin plusieurs vidéos en tout cas qui en parlaient, qui disaient que c'était de très bons produits. Donc, c'est tester l'Aquabomb Sleeping Mask ultra hydratant qui enveloppe le visage d'une couche protectrice pour une hydratation longue durée. Donc, ça, c'est un unidose de 5 millilitres. Alors, moi, je n'aime pas les masques de nuit. Je trouve que ça. J'aime pas. J'ai l'impression que ça pénètre jamais et que ça pourrit mes têtes d'oreiller. Donc, à ce titre-là, je ne les utilise pas en masque de nuit. Je les utilise, on va dire, en masque en journée, je laisse poser et puis quand j'en ai marre, ben, je retire. Donc écoutez, je testerai ce petit échantillon. Donc écoutez, mon pochon est vide. Voilà. Qu'est-ce que je pense de cette box de janvier? Je trouve que c'est un peu light. On va dire ça comme ça. L'huile démaquillante, ce sera utilisé. La lotion pour le corps également. Le contour des yeux aussi, le vernis également, le petit échantillon, je suis très contente de le recevoir, mais je sais pas, je trouve que c'est un peu light. Après, vous allez me dire, c'est une box qu'on paye 20,60 €, on a quand même un certain nombre de produits, donc en termes de rentabilité, la rentabilité bien sûr est là, mais chez Prescription Lab, on nous avait habitués à avoir tellement de paillettes dans les yeux que. Ou en tout cas avoir des marques, on va dire, un peu de niche, entre guillemets, que là, ce mois-ci, je suis contente, hein, je vais tout utiliser, je vais rien mettre sur mon Vinted, mais je ne sais pas, il manque un petit truc. Voilà, après j'en suis contente, attention, hein, j'adore la Prescription Lab, c'est ma box préférée, mais là, j'avoue, il manque un truc. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous pensez de cette box. N'hésitez pas si cette box-là vous intéresse à utiliser mon lien de parrainage hein, qui est en barre d'information. Vous avez droit à 5 euros sur votre box et moi j'ai le droit également à 5 euros sur la mienne. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez reçu des produits différents de moi, si vous avez reçu la crème pour les mains au lieu de l'huile démaquillante, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. J'adore avoir des commentaires et y répondre bien évidemment. Donc je vous fais de très très gros bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle box. Je vous avais dit que je vous ferais la gambette box. C'est promis, je vais vous la faire. Mais il y a juste eu un petit couac sur ma gambette box. Je vous expliquerai quand je tournerai la vidéo. Donc je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très très vite.